Bienvenue en ce 6 juin. On était le 6-6 et il faisait 26 degrés à 13h26. Et j'ai fait cuire des gnocchis, que la date c'était le 6-6. Et tout à l'heure il y avait un vol d'hirondelles, il était magnifique. J'ai encore tout loupé. La synchronisation dans l'espace-temps. C'est comme les étourneaux, tu sais. Ça pour dire quoi? Vous comprenez pas le nouvel ordre mondial toujours là? Vous comprenez pas l'enculerie terrestre là? On a une planète, c'est un paradis. Vous en faites un enfer. Pourquoi? Pour de la thune, pour de l'argent. La première juiverie de la Bible en fait. C'est le mec qui avait enterré tout le pognon. Je crois que c'est dans. Je sais plus si c'est Saint Matthieu. Hein. C'est lui qui avait raison. Le Seigneur, il arrive, il te donne 200, l'autre il donne 400, je sais pas, il donne combien il veut. L'autre il donne 50. C'est, mettons, c'est 1000, c'est 2000 et c'est 100. Donc, pas grave le problème, c'est pas ça. C'est le mec qui a enterré le pognon qui avait raison. Alors, à la trust, quoi. Je sais maintenant avec solitude. Ce qu'est la certitude, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie sur Terre est une escroquerie. Il y a les bons esprits, il y a les mauvais esprits. Ceux qui aiment les trucs qui brillent, c'est comme les poufias. Il y a les bonnes poufias et il y a les pas bonnes poufias. Ceux qui aiment bien tirer à droite et à gauche, avoir de la, du pognon, de l'or. C'est les brames, ça, la femme et l'or. Ça, j'ai lu ça au Maroc, ça. Moi qui étais chrétien. Qui est fait le premier jour, qui ferait certainement le dernier jour du Ramadan. Quand j'étais au Maroc, j'attendais ma Vierge Marie et je lisais les Brahms. Pas un truc de fou ça. Au moins 400 pages. Le truc, ça va. J'ai eu le temps d'attendre. Voilà. Alors, tout ça pour dire, il y a vraiment un nouvel ordre mondial de fils de pute, les Skull and Bones, les je sais pas quoi, le siècle, le Bilderberg, les francs-maçons, les drogues. Tout pour nous, rien pour vous. Là, il y a le macro, le ministre, BHL TV, tu vois. C'est pour mieux t'enculer, mon enfant. Nouvelle réforme du travail, nouvelle réforme des retraites, tout ça. C'est ça, ouais. Tu vois? Et moi j'en ai plein les couilles de ramasser des mégots par terre, de tout ça. Putain, je suis un esprit dans une viande. Je ne suis pas une viande sans esprit. Et je viens de super loin, quoi. J'ai traversé la galaxie. L'esprit n'est pas sur Terre. Le problème c'est que vous n'avez pas d'esprit. Mais vous êtes sur Terre. Comment vous expliquer ça? On a des cartes mémoire de l'eau. La vie, c'est l'eau. Dans l'esprit, le temps et l'argent n'existent pas. Je ne sais pas combien de fois faudra vous le dire, mais ça ne veut pas rentrer. C'est pas la télé. Il faut être l'acteur de sa vie. Il faut être acteur du film. Le film de la vie. Il faut être conscient, voire subconscient. Vous ne comprenez rien à ce que je vous dis. À chaque fois, c'est toujours pareil. Il raconte que des conneries. C'est que de la merde. De toute façon, tous ceux que tu vois à la télé, c'est parce que c'est de la merde, la plupart du temps. 97%. Sinon, tu les vois pas. Les gens honnêtes, les gens gentils, ils sont dans la misère, ils n'ont pas Internet, ils se vendent pas à la télé. Et pourtant, ils sont plus nombreux, putain. Les pauvres sont beaucoup plus nombreux que les riches, bordel. Être riche, c'est de la merde. Putain, c'est pourtant pas compliqué. Comment je veux dire ça? S'il n'y a pas de riches, bon, ben il n'y a pas de pauvres et ben il n'y a pas de voleurs. Voilà. Et si vous bougiez tout, ben il n'y aura plus d'eau potable. Et ça arrive. Et ça fait chier. On va faire 4-4-1, tiens, pour la peine. Ouais.